Salut les copains. On vous prend dès le réveil aujourd'hui. On devait se réveiller bientôt pour pouvoir prendre la route vers Zion. Mais il pleuvait. Oh, il y avait des bourrasques de vent. Il y avait un vent de dingue, la tente elle bougeait dans tous les sens. Alors on peut vous dire que dans ces cas-là, on n'a pas envie de sortir de la tente. Non, alors on repousse le réveil, vous savez, ce petit bouton répétition là. Voilà. On a bien fait parce qu'il a arrêté de pleuvoir. On a super bien fait, là pour le coup. Là ça y est, il n'y a plus de pluie. Alors il n'a pas l'air de faire très beau, il fait un peu gris. Mais c'est pas grave, on va pouvoir se lever, préparer un petit déj rapide. On s'est couché tard hein, avec la vidéo d'hier soir. Ouais, on s'est couché tard, c'était une petite nuit. On va pouvoir appeler Saona vite fait là, avant de descendre du lit. Et puis réveiller les garçons, prendre le petit déj et puis ils se mettent en route. Ouais, on va essayer de faire ça rapidement pour qu'on puisse arriver relativement tôt à Zion, ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Parce qu'il y a encore au moins peut-être 2 heures de route, je dirais. Bon, le GPS devait mettre 1h30, je crois, donc ça doit faire 2 heures en def. Ça dépend quel point d'arrivée, quoi. C'est toujours pareil. C'est ça. Et on rejoint quelqu'un. Alors, on ne sait pas exactement où nous allons dans le parc. On va vous en dire plus en route. Voilà. Allez, c'est parti pour la journée. Et nous sommes arrivés à Zion National Park et je te prends en pleine bouchée. Vas-y, qu'est-ce que tu dis là du coup? C'est bon. C'est bon? On mange une... Alors sur le pouce là on mange, hein, pour le coup on n'installe même pas chaise et table, on est sur le parking du Visitor Center de Zion National Park. J'ai préparé hier soir pendant le chargement de la vidéo, j'ai préparé une bonne petite salade de riz. À 1h du matin. À 1h du matin, une très bonne heure pour faire une salade de riz. Avec reste de courgettes, poivrons, carottes, oignons, un petit peu de soja, sel, poivre, basilic. Voilà, voilà ma recette. Et deux tomates, t'as raison. Oui, il restait 2 tomates. Voilà, donc on a fait bonne route, de la pluie quasiment toute la route. Là, il pleut encore quelques gouttes. Ça s'était calmé. Ça s'était calmé, mais là, il pleut encore, il fait pas très chaud. Et on a rejoint donc nos amis qui sont ici au camping, mais pour le moment... On n'est vraiment pas sûr d'avoir une place pour dormir pour nous ce soir. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on cherche encore à avoir ça. On s'était dit que peut-être avec la pluie, il y allait avoir des désistements. Donc, on va continuer de regarder. Alors, s'il n'y a pas de place, ce n'est pas très très grave parce qu'à une demi-heure d'ici, on a repéré des zones BLM gratuites. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci. Mais c'était l'occasion de passer la soirée avec eux. C'était l'occasion que les enfants puissent jouer ensemble, etc. Donc on verra, on va... Voilà, on va déjà se prévoir une petite balade ensemble dans le parc cet après-midi. Et puis on verra pour ce soir. Et on va vous présenter qui c'est. Voilà, ils sont en vacances pendant 3 semaines dans l'Ouest américain. Ils font un road trip avec un camping-car. Et voilà, on vous en dit pas plus pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure. Moi, je voudrais que tu montres comment on est garé. Parce qu'en fait, il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien de spécial pour les Français. Et franchement, on ne s'est même pas garé au bruit. On n'a pas fait les Parisiens. On s'est arrêté en laissant de la distance. Il y a au moins 5 cm. Ouais. Bon, on a pris la... Non, il y a au moins 7. 5-7. C'est vrai, mais je sais pas, j'ai pas vu. Moi, j'ai attendu ton signe. Bon. Mais alors, en fait, depuis tout à l'heure... Les Américains du camping-car d'à côté, ils n'arrêtent pas de ressortir, de regarder, de machin. Apparemment, ils n'ont pas l'habitude de se garer si près. Mais je ne sais pas comment ils font quand ils sont à Paris. Alors. Ah oui, mais si tu veux pas dépasser. Ben, on est tout juste là. On est tout juste. Il y a 400 cas à peu près.
4-5, tu dis? Bon, bah, on est large, quoi. J'ai même joué la sécurité. Voilà. On est large. T'as même laissé une marge de sécurité. Bah ouais. Alors que moi, tu vois, j'ai appris à conduire à Paris. Et à Paris, on se gare au bruit. Non, mais j'ai laissé une marge de sécurité. Je me suis dit, oui, si c'est un touriste avec qui ne maîtrise pas... C'est ça, quand ça cogne, c'est bon, t'es collé. Qui ne maîtrise pas la boîte auto ou quoi, j'ai laissé une marge. Bon, on finit notre petit repas sur le pouce. Et puis après, on va aller faire un petit tour au Visitor Center. Et ben voilà, nous avons entamé une petite randonnée au départ du Visitor Center, c'est la Watchman Trail. Et en bonne compagnie, vous voyez juste derrière moi, on a Richard. Et juste derrière, on a Adeline. Leurs enfants Louise et Martin sont juste devant avec Enoa et Nathéo. Et en fait, ben, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent les connaître déjà. Ils sont connus sur Instagram sous le nom de Chaloumar360. Voilà, je vais vous l'écrire juste en dessous. Ça monte, du coup je m'essouffle. Thank you very much. Voilà, donc on s'est retrouvés cet après-midi pour faire cette petite balade. Et puis, ben, on va essayer de partager la soirée aussi. Ils ont un emplacement sur le camping. On n'a pas réussi à en trouver un, nous. Le bureau est fermé. Tout est complet. Et apparemment, les emplacements sont assez grands. Donc, on va essayer de partager l'emplacement. Et puis, on verra bien si on se fait, mettre dehors. On ira dormir dehors. Mais en tout cas, ça va nous permettre de passer un petit peu plus de temps pour pouvoir discuter, échanger, parler voyage. Parce que oui, ce sont de très grands voyageurs depuis très longtemps. Et ils ont d'ailleurs fait un grand tour du monde en sac à dos en 2019-2020. C'est ça, Richard? C'est exactement ça. 2019-2020, vraiment le tour du monde sur tous les continents. Et ils sont rentrés juste un tout petit peu prématurément, hein, si j'ai bonne mémoire. À la fin du Covid, au début du Covid et fin de leur voyage, ça tombait à peu près en même temps. Et voilà, comme nous, ça a mis un point d'arrêt à leurs grandes aventures à ce moment-là. Mais pour autant, depuis, ils n'arrêtent pas. À chaque vacances scolaires, ils sont repartis dans toutes les destinations possibles. La Namibie, il n'y a pas longtemps. L'Ouest américain, maintenant. Enfin voilà. Des grands voyageurs. Alors on prend plaisir à échanger, discuter et passer des bons moments. Et là on a les enfants qui font connaissance parce que jusque là ils étaient très timides d'un côté comme de l'autre et du coup ils n'osaient pas se parler. Là ça y est, ils entament la discussion. Ça va les loulous? Ouais. Je dis les loulous mais je sais que Louise, toi on t'appelle loulou aussi. Ouais, souvent. Ouais, mais moi les garçons je les appelle les loulous. Ah mince, comment on va faire? Coucou! Coucou! Ça va, chouchou? Ben, on blablate beaucoup. Alors, je suis un peu court en souffle. Parce qu'en parlant, c'est plus dur que d'habitude. Oui, mais ça te fait travailler la respiration pour le coup. Bon, après, je serai prête pour un footing. Nickel. Elle respire vraiment pour deux, là. Le footing, c'est pour quand, du coup? Après-demain. Après-demain, ouais. Plus tard. Oui. Bon, donc, on entame cette randonnée du Watchman Trail. Pour avoir une vue apparemment saisissante sur les temples, on vous montrera ça. Et on a déjà une vue sur la Virgin River qui est en contrebas. C'est très joli. Il y a beaucoup de monde par contre. C'est vrai qu'on n'est pas encore en pleine saison, mais on voit le monde. Bah, pour preuve, les campings sont complètement pleins. Il y a beaucoup de monde partout sur les parkings, dans les visitor centers. Sur les routes, dans le coin, ce qui est plutôt étonnant parce qu'on était il y a peu de temps au Grand Canyon. C'était pas si fréquenté que ça. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est l'un des parcs, je pense, les plus visités des États-Unis, les plus cotés. Voilà, bon, on fait avec. On n'est pas tout seul pour une fois. Hein, l'appel du ventre de Nathéo.
surtout pas sauter un goûter, c'est pas possible pour lui. Donc il est tout le temps en train de guetter l'heure. Et là, c'était l'heure, hein, c'était l'heure le loup là. Donc on refait une pause pour ton goûter. Et alors on marche, on discute, et quand on s'arrête, et on discute aussi, disons. Et oui, toujours. Ça dépend des vidéos. Ça papote. Tout le temps. Plutôt de la chance là parce que il a plu toute la matinée, même ici, hein, puisque Adeline et Richard étaient arrivés. Ce matin il pleuvait. Et là on n'a pas une goutte de pluie. Et avec la montée, on est même en t-shirt. Il fait frais, mais bah, forcément quand on fait de l'activité physique, on a plus chaud. On commence à être bien haut et avoir un beau point de vue sur la vallée avec les pics en face. C'est très joli. Il y a un petit chemin qui repart là-bas. Les coulisses d'un selfie pour Instagram, un selfie family. Et encore 5, et celui c'est bon. Bon, salut les copains. Vaut mieux tard que jamais. Coulisses. Enfin bonjour. Coulisses d'une story en direct. Coulisses d'une story en direct. Alors je vous avais dit qu'on rejoignait une famille. Eh ben, on est sur le point de vue là. Du Watchman Trail. C'est très joli. On a quand même cette chance de ne pas avoir de pluie, d'avoir une vue dégagée. On a vu sur tous les pics rocheux aux alentours. C'est vraiment très beau. On en profite avant de redescendre parce qu'en fait on croyait que c'était une boucle, mais en fait non, c'est juste ici tout en haut. Il y a une boucle autour du piton rocheux, mais sinon c'est un aller-retour sur le chemin qu'on a fait, donc forcément il y a moins d'intérêt. Donc forcément le chemin on le connaît déjà, mais on profite du coup un peu plus de ce point de vue, et je pense qu'on redescendra assez vite récupérer Clyde et Bonnie qui sont sur le parking en bas là, vous les voyez, et puis on va essayer d'aller au campground qui est juste derrière. On va se coller sur le même emplacement et puis on verra bien ce qui se passe. En tout cas, on va passer la soirée ensemble, et puis si on se fait mettre dehors, on verra bien. Voilà. Sinon, on se disait que si on croisait un ranger, on allait voir avec lui si c'était possible de payer une part à la rigueur sur l'emplacement. Mais comme on n'a pas besoin ni d'eau, ni d'électricité, ni rien, bon, voilà. On va voir. Je vous tiens au courant.
Et voilà, nous voilà revenus après 2 bonnes heures et demie de balade, de discute. Ça n'a pas arrêté de papoter, hein. Faut tuer le temps. Faut tuer le temps, et ça a été du coup. La respiration... Monter en discutant beaucoup, j'étais un peu courte parfois. Souvent. Parce qu'en fait, on est monté... Bah là. Ici. Voilà, sur ce point de vue-là. Ça paraît tout près, là. Voilà, bon, c'est une boucle qui fait 5 km et demi. Plutôt tranquille, voilà, assez facile. C'était sympa, ça fait du bien. En plus, on a eu cette chance du beau temps, quand même. On n'y croyait pas, c'était inespéré, hein, parce que la météo disait pluie. Ce matin, il pleuvait des cordes au réveil. On a rangé le bivouac sous la pluie. Ça, on n'aime pas trop, parce que c'est vrai qu'en général, lorsqu'on n'a pas de petits rendez-vous comme ça, avec une autre famille ou quoi, on attend qu'il arrête de pleuvoir. En général, on ne range pas sous la pluie. Non. S'il faut, on repousse d'une journée, mais on ne part pas quand il pleut, on ne range pas tout mouillé. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Donc là, on reprend Clyde et Bonnie, et puis on va aller s'installer au camping avec Adeline, Richard, Louise et Martin. Et puis on verra bien. Et puis on verra bien. Pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir quelqu'un pour savoir si on avait le droit de se mettre sur leur emplacement. On n'a pas réussi à avoir quelqu'un pour savoir s'il restait des emplacements disponibles. On nous dit que non. Faut attendre. Eh ben, on verra. Donc on va voir. Se faire mettre dehors. Non, mais de toute façon, en fait, l'idée, c'est on va passer un peu la soirée ensemble. Et puis de toute façon, on a déjà repéré sur le chemin aller une zone BLM où on peut se stationner gratuitement à 30 minutes d'ici. C'est ça. Donc de toute façon, on sait déjà où on va aller. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on y va, on les rejoint. C'est ça que j'adore dans les parcs américains. Enfin voilà, ils n'ont même pas peur de... sont là, ils vivent leur vie, et c'est à nous de faire attention à eux. Américain. Bon, ce qu'on espérait, c'est produit, c'est-à-dire que... Il y avait des volontaires à l'entrée du parc, déjà. Ouais, pour le soir. Et il y a eu des désistements avec le mauvais temps. Ils nous ont bien dit que c'était... interdit qu'on soit plusieurs sur un seul emplacement, donc ça c'était pas possible parce que je pense qu'on serait peut-être rentré, hein, mais ça c'était pas autorisé. Mais ils nous ont trouvé une place, donc ça nous évitera de repartir après l'apéro, de reprendre la voiture. Bon, ça va surtout changer ta consommation. Tout de suite. Tout de suite, non ? C'est pas non, ça ? Non, mais là c'est parfait. En plus, on a payé du coup une nuit, c'est 20$. C'est pas non plus complètement fou, quoi. C'est un camping avec des sanitaires, avec de l'électricité sur les emplacements, même si on n'a pas besoin. Je m'attendais pas à ce que ce soit, entre guillemets, si peu cher la nuit, dans un parc national. Dans le parc national. Ouais, ouais. Donc au final, c'est très très bien comme ça. Voilà, donc on a un petit emplacement. C'est quoi notre numéro ? Le A26. Ah. On vient de passer le A6, alors je me disais, c'est pas bon, on a passé le... Voilà, donc on a quoi, 200 mètres à faire à pied pour se rejoindre. Donc on va déplier notre bivouac ici. On va tout déployer rapidement parce qu'on a besoin que ça sèche. Parce qu'on n'aime pas trop ça, ranger quand il pleut le matin. Mais bon, ça arrive. Hop là, regarde là, juste là. Juste là. Salut. Tu les gênes là. Salut. C'est rigolo. À 20. 21, 22, 23, 24. À 26, voici notre emplacement. En marche arrière, comme ça on aura la tête dans le bon sens, si possible. Sauf qu'on n'a pas regardé où était le nord. Bon les copains, on a rejoint l'emplacement de Adeline et Richard pour ce soir, avec tout notre repas, notre réchaud pour pouvoir manger ici. Et du coup, on va passer la soirée tous ensemble. Et en plus, il y a une autre famille qui nous a rejoint, une autre famille qui parcourt les routes aussi d'Amérique. Donc on va passer une super soirée, je pense. Donc il est temps pour nous de clôturer cette vidéo. Alors je vous fais des gros bisous. On vous dit à demain, hein, avec Alison qui est juste là. Chouchou.
Voilà, en pleine discussion. On vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les copains.